putain, on les a loupés ? On les a pas loupés. Hein ? On a loupé les cheleux ? Non, on les a pas loupés. Et vous avez tenu toute la nuit, vous ? Non, c'est les épineux, ça me donne des cernes. Mais comment c'est possible ? Comment on a pu louper le convoi ? On les a pas loupés ! Ils sont pas venus ! Alors lui, s'il rentre au maquis énervé comme il est, ça risque d'envoyer du pétrole quand même, là. Ils se sont foutus de la gueule ! Bon, il est où l'autre ? Tiens, là, il reste qu'à payer Bounty. C'est pas vraiment le moment de déconner, Joe. Il est où l'autre, là ? Quel autre ? Hannibal ! Il est dans sa tente, il est occupé, pourquoi ? Quelque chose qui va pas ? Eh, vous nous prenez pour des cons ? Le convoi, il est jamais passé, hein. Ah bon ? Ah bon, qui dit ? Des amis à vous ? Monsieur le sénateur, je suppose ? Ouais, salut les gars. Vous nous avez vraiment pris pour des nulos. Bon, allez où sa tente, déjà ? J'ai le montant en l'air ! C'est pas le moment, Montignac, vous réglerez votre problème plus tard, on a un blessé. Un blessé ? Qui ça ? Plastique, eh, c'est pas beau à voir. Là, il est dans la tente d'Hannibal, il essaie de nous rafistoler comme il peut. C'est son vrai nom, ça, Plastique ? S'il a mis en danger la vie d'un de mes hommes, je le tue. Vous m'avez extrêmement déçu. Du coup, je reçois le renfort d'un SS qui vient directement de Paris pour compenser notre incapacité à lutter contre la résistance. Je cite le courrier officiel. Colonel, j'ai ici le sculpteur que vous avez engagé. Il me demande si vous voulez votre buste en marbre ou en... Dites-lui de partir sur le champ et arrêtez de me déranger pour des futilités. Bien, colonel. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je me vengerai de votre mensonge. En attendant, vous retournez immédiatement vers le fort de Saint-Antoine. Corvée de latrine, corvée de patates. La dure réalité, le choc frontal. Et quand je saurai quoi faire de vous, je vous rappellerai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'était pas juste au bras droit que vous étiez blessé, vous ? À la base, si. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Cannibal, il a tenté de me soigner. Et vu qu'il m'a anesthésié avec des grandes baffes dans la tronche, quand je me suis réveillé, il a fallu que je lui explique que c'était pas le bon bras. Vous déconnez ? C'est des fous, moi, là ! Et c'est pas avec eux ! Ah, du coup, je voyais pas Hannibal comme ça, moi. C'est excité qu'il était. Il m'avait envoyé des électrochocs. Pour un bras pété ? Oh putain, on est en train de le perdre ! T'inquiète pas, mon gars ! Ça ferait redémarrer un char d'assaut ! Je veux plus qu'il me touche. Vous me direz, de ce qu'avait dit Joe, la médecine, c'était pas trop son truc. Du coup, c'est con qu'on ait pas de médecin. En tout cas, vous, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ouais, la douleur s'éloigne un peu. Aïe, 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 aïe. Tiens, un trou de balle. Oh là, on va se détendre. Pas de problème, qu'est-ce qui vous détendrait le plus ? Faciale main droite ou mon genou dans le dentier ? Arrêtez Montignac, votre équipe était pas prête et vous le savez bien. Ah mais bien sûr, d'ailleurs je vois pas pourquoi je m'énerve, c'est parfaitement logique. Hein. Mais vous a demandé de nous former au combat sans nous emmener au combat ? Je ramifie à mort là. Ah, y a du niveau, chapeau. Hein. Soyez patient et arrêtez de gueuler. J'arrêterai de gueuler quand vous nous ferez confiance. Vous en voulez de la confiance, d'accord. Prenez deux de vos hommes, je nomme responsable de l'expédition qui escortera le sénateur en zone libre. Ah bon ? Ça vous va comme ça ? Oui. Déjà mieux. Bien, allez préparer votre équipe, vous partez dans 10 minutes. Je vous ai également dépêché Joe Lapelle qui sera à votre service. Vous pouvez le faire. C'est vous, Moulin ? Ah non, Moulin, il est parti en mission, là. Ne vous inquiétez pas, vous le reverrez dans quelques jours. Quelques jours ?
Alors, comment va cette petite blessure? Moula! Désolé, mais la façon dont il l'a dit, là...